Ça va les gens? Vous êtes là? C'est parti. Voilà, salut les gens, bonjour, bonjour. Alors on est reparti pour cette semaine, je vais essayer de faire court là cette semaine. Pourquoi? Parce que je voudrais tester avec vous de savoir si vous préférez du 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Et c'est aussi parce que j'ai pas le temps. Je vous mets sur YouTube un sondage, et vous, si vous le souhaitez, vous répondez. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de réponses sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez sous la vidéo ou sous ce sondage pour me dire ce que vous préférez. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, j'arrive pas à savoir. Moi, je fais 40, je trouve c'est trop long, tout le monde regarde. Je fais 20, je prends des pouces rouges, je comprends rien. Bon bref, là vous avez vu, je commence à mettre les plateaux là avec la graisse à traverser. On va faire un comptage Varrois, ce sera pour la semaine prochaine, avec un petit, une petite minute théorique sur le Varroa. Et là, je vous promets, je fais une minute. 2 minutes maxi. L'histoire du Varroa et pourquoi il en faut pas. Vous avez vu, je mets aussi l'abreuvoir. Bon, j'ai mis le cassé qui était là, mais c'est pas grave. Il est tout bancal. On peut commencer à les mettre. Là, je le mets notamment ici parce que c'est sec. Et aussi pour les habitués, que ce soit là, dans le coin, pour ceux qui ont une piscine à côté. L'eau, la qualité de l'eau est hyper importante, à mon avis. Moi, c'est pas de l'eau du robinet, c'est pas de l'eau de pluie. C'est pas de l'eau de la fontaine, c'est de l'eau de où? Ouais, je vous le dis, c'est mon petit secret. C'est de l'eau de la chambre froide. Vous savez, le condensateur, il recrache de l'eau et c'est H2O. Alors, il n'y a pas de sels minéraux, mais il n'y a pas de merde non plus. Et quand je le mets, je vois que les abeilles se jettent dessus tout de suite et ça va bien, quoi, moi, je trouve. Voilà. Le problème, c'est que j'en ai pas à l'infini. Il va falloir que je capte un peu d'eau de pluie pour faire tout ça. Bon, sinon, à propos de la semaine dernière, 1000 merci de tous vos messages, tous vos commentaires, ça a battu un peu des records là. Je comprends, à travers tous vos messages, merci encore, je comprends qu'il y a eu pas mal de casses cet hiver. Moi-même, j'en ai un peu plus que prévu. J'ai des professionnels aussi qui m'ont mis des messages, merci à vous les gars. Par mail, tout ça, c'était assez impressionnant de vous lire et on comprend qu'il y a des soucis quand même. Alors, c'est difficile de dire à quoi c'est lié. Moi, je pense que c'est un petit peu multifactoriel. Il y a certainement aussi la pollution, hein, bien sûr. Et pour revenir à mon cas de rucher sans abeilles, vous avez été très nombreux à me dire c'est le feu, quelques-uns à me dire c'est le varroa, quelques-uns à me dire c'est le vol. Alors, le vol, je l'exclus parce que le voleur, ce serait à remettre vraiment les toits correctement tout droit, enfin déjà ce serait fait chier. On a retrouvé une reine morte, pourquoi ils ne l'auraient pas prise, et surtout tous les cadres étaient bien propolisés et tout, ils n'ont pas été décollés. S'ils avaient été décollés et remis dans la ruche parfaitement, qui les aurait propolisés? Il n'y avait plus d'abeilles. Non, mais non, s'ils les avaient prises, un voleur. Donc je pense pas que ce soit le vol, et il y a eu 2 remarques, il y a eu un petit peu de frelon asiatique, dans les... voilà. Et moi, 2 remarques qui ont, je trouve, été pertinentes, c'est noséma serranae. Ça, c'est peut-être possible aussi. À mon avis, c'est un facteur de tout ça. À propos du varroa, je n'ai pas retrouvé de traces vraiment flagrantes, sauf une ruche. On voit le caca des varrois, les déjections, qui font un petit peu comme des toutes petites pelote, je peux pas dire pelote ou j'en sais rien, des petits points blancs qui sont en bordure d'alvéoles. J'essaierai de vous montrer ça pour la semaine prochaine, on fait un truc sur le varroa. Donc voilà, merci pour tous vos commentaires, j'ignore quelle a été vraiment la cause. Ce que j'ai compris, c'est que ça vous avait touché aussi sur vos ruches, cette année ou l'année d'avant, enfin que cette année en tout cas il y avait beaucoup de pertes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir avec ce qu'on a, et puis ça va être un peu l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui. On va se fixer les objectifs, la stratégie pour la saison, pour arriver à quoi? À l'automne, sachant qu'on va mettre tous les moyens en notre possession, moi le premier, pour amener toutes nos colonies à un superbe hivernage. Voilà, c'est notre décision de l'année, on met tout en route. Moi particulièrement parce que je suis toujours un petit peu, pas grippe-sous, mais je m'en fous, mais sur l'apport en nourriture, que ce soit le candy ou le sirop, j'essaie toujours d'en mettre le moins possible. Et je suppose que je joue trop avec le feu. C'est pas je suppose, c'est je joue trop avec le feu. Donc cette année, c'est open bar, elles ont faim, je les nourris, grave, vas-y. Et on va faire en sorte que tout se passe bien. Bon bref, rapidement deux petites news. C'est la revue Sésame. Alors je vous mets le lien en description si ça vous intéresse de lire. La revue Sésame qui a paru un article sur quelle biodiversité dans nos champs. Et c'est relativement intéressant par rapport à toutes les fleurs qu'il y avait avant, les fleurs qu'il n'y a plus, et donc au détriment de nos abeilles. J'essaye d'ailleurs de me procurer des semences mellifères pour vous les procurer via le site internet. D'ailleurs dans les news, je peux vous dire que le site sera prêt le 12 mars. Voilà, les combis seront là avant, il y aura des articles qui seront là avant, vous pouvez toujours fouiller sur le site, me suivre sur les réseaux pour savoir quand est-ce que ça sort. Mais le 12 mars, vendredi 12, on sort le site. Et normalement, si tout se passe bien, j'aurai également ce jour-là, le 12 mars, une vidéo sur Happy Agri. Que pouvons-nous recommander à nos agriculteurs de semer dans leur champ, autour de leur champ ou en interculture? Ça peut être intéressant, on fera ça en Alsace avec des spécialistes, ça va être super. J'espère que ça va se faire. L'autre petite news, c'est l'université de Floride qui sort un site internet, alors c'est en anglais mais avec Google Translate, vous avez tout en français, et qui répertorie les agents pathogènes sur le monde entier. Donc là, vous y allez, vous cliquez tel type d'agent, ça peut être du vivant, hein, les frelons asiatiques par exemple. Ah, je t'ai attrapé, toi. Et, mais oui, mais m'attaque pas, grande. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas contente? Eh? Ah ben, regarde, elle a le dard sorti avec du venin, là. Ah, la cocotte, mais je peux pas la lâcher, elle va me piquer. Ouais. Bon bref, on termine comme ça. L'université de Floride qui a sorti un site, je vous mets le lien en description, c'est un peu pour suivre tous les agents pathogènes, tout ce qui peut détruire nos ruches, l'abeille mellifère, partout dans le monde. Voilà, vous cliquez par exemple Frelon asiatique, vous avez la carte où il est implanté, dans le monde entier, etc. etc., etc. Voilà, les petites news de la semaine. Ce qu'on fait là, donc je mets les plateaux blancs, on voit ça la semaine prochaine. Là, on retourne au bâtiment pour un petit coup de tableau blanc sur la stratégie et puis la préparation de la saison. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors la stratégie, les gens, je sais bien que parfois certains d'entre vous ont 2, 3, 4 ruches et s'en fichent un petit peu. Ils font vaille que vaille et c'est très bien. Mais il faut imaginer aussi que y a certains professionnels où j'ai beaucoup de questions sur devenir professionnel, ou ceux qui ont un peu plus de ruches, eh bien, c'est vrai que ça va peut-être plus vous toucher, vous. Bref, je fais ça aussi parce que là, il fait beau, mais c'est pas le moment des visites de printemps encore. Pour moi, c'est trop tôt. La météo va pas rester comme ça indéfiniment, hein, on n'est que fin février. Calmons-nous. Je vais quand même pas mettre les hausses début mars. Normalement, je les mets le 4 avril, enfin début avril. Là, on a encore un peu de temps. Sur la stratégie, je me suis imaginé partir sur 100 ruches. On va dire 100 colonies, d'accord? On est à la sortie de l'hiver, là. On a 100 colonies réparties en ruches, que je vais appeler B10, voilà, ou D10, ouais, on s'en fout, pour dire d'Adam 10. Moi, j'ai un abus de langage qui me dit B10, voilà, bon. Oh, c'est propre. Et une partie de ces colonies qui est répartie en B6, c'est-à-dire, en gros, des ruches, des ruchettes. Ok, ça peut être que l'un, ça peut être que l'autre, mais c'est rare. Et voilà, le tout, c'est... Je pars sur un nombre 100 pour que ce soit facilement divisible ou multipliable suivant vos besoins. À la fin de l'année, on va dire même... c'est pas la fin de l'année, c'est bien avant l'hiver. Quel est le moment où on ne peut plus trop intervenir, c'est-à-dire multiplier, faire des essaims, faire des raids et tout ça? On le fixe au mois de septembre, maxi. On peut quand même encore mettre des vieilles rennes. Enfin, des vieilles rennes. On peut encore changer les rennes au mois de septembre. Mais bon, moi je dis que, allez, août-septembre, ça doit être plié. On va mettre septembre. Quel est votre objectif? C'est de... Vous avez 4 ruches, vous conservez 4 ruches, vous en avez 100, vous voulez en avoir 200. Il faudra adapter tout ça. Mais faites-le maintenant, il faut y réfléchir maintenant, hein, évidemment. Là, on va dire qu'on veut avoir toujours 100 colonies. Alors, en l'occurrence, celle-ci en ruche. Et on veut en avoir 50 autres en B6. OK? Là, on va dire que l'âge des rennes, c'est 2020. Toutes, pour simplifier. Mais ça peut être moitié 2019, moitié 2020 et tout. Ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on va avoir une moitié de 2020. Donc les bonnes de l'année qu'on va garder, environ 50, sur les 100, hein, je vous parle. Et une moitié de 2021, de cette année. Et les 50 en ruchette seront toutes de 2021. Donc vous comprenez tout de suite qu'on aura un besoin de 100 rennes. Déjà. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on va chercher à faire au long de ça, hein? En gros, là, on est en février-mars, là, on est en septembre. Bon, déjà, on va viser à faire du miel. Ça paraît pas illogique. Alors ouais, il y a un beau reflet là qui me pète les yeux, c'est la vitre qui doit être là, voilà, et c'est formidable. On va chercher à faire du miel. Moi, le miel, je me base sur mon exploit, vous adaptez, hein, encore une fois, vous adaptez à chez vous. Allez, on va mettre mars ici, avril, mai, juin, juillet, août et septembre. J'aurais pu décaler un peu plus, c'est sûr. Ici, je fais 3 miels, environ, c'est ces 3 mois-là. Donc ici, je vais faire le miel de printemps. Ici, le miel d'acacia. Ici, le miel d'été. Donc, il faut bien compter le temps de mettre les hausses, le temps de laisser faire le miel, le temps de récolter, puis le temps d'extraire le miel. Ça, ça prend du temps dans une saison. Et évidemment, quoi. Tout dépend de votre nombre de colonies aussi, bien sûr. Ce qui va importer, c'est l'élevage aussi. À partir de quand on va pouvoir faire des rennes? Il faut qu'on ait des mâles matures aussi pour féconder nos rennes vierges. En gros, on a ça, hein. Alors moi, chez moi, ça, début avril, ça va être tendu. On va dire de mai pour l'élevage. Ouais, je le mets comme ça. Ça va ressembler à rien, hein. Je vous le dis au final, ça va ressembler à rien, j'improvise totalement. En gros... Allez, on va s'arrêter en août, mi-août. Tout ça dépend des mâles, hein. On arrivera toujours à faire un petit peu d'élevage, mais tout ça dépend des mâles. Donc déjà ici, les besoins pour tout de suite, avant même de faire le miel de printemps, c'est-à-dire ici, la visite. Je vais mettre visite et transvasement. Il faudrait qu'on mette un chiffre ici. On pourrait mettre qu'on a 50 B6 et 50 B10. Donc tout de suite, vous vous rendez compte que vous allez avoir besoin de 50 ruches vides. Alors, je ne sais pas comment le mettre. C'est déjà le bordel dans mon tableau. On va avoir... Allez, je vous mets besoin. On va faire la case besoin ici. Besoin, 50 ruches. On va mettre 50 caisses, hein, pour bien comprendre. C'est toujours les abus de langage, ça. Toujours, donc je disais, les abus de langage entre colonies, ruches, caisses. C'est un peu la même chose, puis en même temps, voilà. Donc... Soit on les a, soit il faut les acheter. Si on les a, il faut les nettoyer, les désinfecter. Si c'est de la récupération, par exemple, de mortes qu'on a eu là, ou quoi. Pour les ruchettes, a priori, on les a déjà pour là. Mais ces ruchettes-là, donc, on va les transvaser dans ces 50 caisses. Il faudra les désinfecter et les préparer avant de faire les essaims. Les essaims, on va les faire quand, à votre avis? Moi, je vise ce miel-là, l'acacia. Donc, je ne divise pas mes ruches avant. Je vous dis ce que je fais, hein. Moi, je vais faire une moitié des 5. Donc, sur ces 50-là. Je vais, en gros, en faire 25. Je le mets entre parenthèses. On va mettre anti-essaimage. C'est-à-dire que je vais en faire la moitié que je vais prélever sur les ruches pour ne pas que ça essaime. Vous savez, ici, j'enlève un 4 de couvain. Celle d'à côté, j'enlève un 4 de couvain. Je réunis tout ça. Et je mettrai une reine. On y vient après, hein, sur les rennes. Plus on le fait tôt, l'essaim, c'est-à-dire par là, plus il peut être petit, parce qu'il aura tout ce temps-là pour se refaire, ok? Si vous faites un essaim tardivement, c'est-à-dire par là, il aura moins de temps pour se gonfler avant la date fatidique, hein, vous comprenez? Donc là, il faudra qu'il soit plus gros. Essaim plus gros, d'accord? Alors, j'en fais 25 en anti-essaimage et je vais en faire 25, je dirais, après le miel d'été. On est normalement début juillet. Ce sera par là. Ça commence à faire un super tableau. à demi, je vais en faire 25 en réduction de colonies. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes ruches, mes B10 que je retrouve ici, je les hiverne pas sur 10, moi je les hiverne sur, là cette année j'ai fait sur 6 et 7, et tous les 4 que j'enlève, bah, soit il y a des vieux que je jette, soit il y en a que je garde, que je fais là. Et en plus je refais construire. Attention, si vous faites construire vos cadres, c'est préférable ici, hein. Franchement, si vous faites construire des cadres en juillet, dans mon coin, toujours pareil, ça dépend de chez vous, ça mielle beaucoup moins, hein, le miel est terminé en rouge, et donc elles ont vachement de mal à étirer les cadres, à les construire. Là par contre, ça va tout seul, en avril-mai, mais ça va tout seul quoi. Voilà, attention à ça, j'ai pas de solution miracle les gens, moi je préfère faire construire ici. On en est où? Ok, on a prévu nos 50 B6. Sur nos 100 de départ qu'on retrouve là, il va y avoir de l'essaimage, hein. Ça va soit se remérer tout seul, soit vous mettrez une reine, mais il y en a qui vont, pour celles qui se remèrent toutes seules, ça va pas marcher, elles vont devenir bourdonneuses, vous vous souvenez? Donc ça, il faudra prévoir quand même un petit peu plus de reines. Sur les reines, justement, il nous en faut déjà 50 ici, 50 pour la moitié à remérer, plus un petit peu, donc les reines. Il nous en faut 50 pour les essaims, 50 pour les B10, hein, la moitié là, vous vous souvenez, on en veut 50% de 2021, ben, faut les faire, faut les produire, ou les acheter, mais enfin. Et on dit un petit surplus, facilement 10%, ouais. Bon bref, on essaye d'en faire 10 de plus. À quel moment on les fait? On va, pour moi, je vais remplir les nucléi. D'ailleurs, je pars de zéro, hein, il faut que je fasse construire et tout. Ça va être un peu plus compliqué. En gros, on a quand même le temps de les faire. On a aussi tout ce temps-là. Mais ça veut dire qu'on va piocher sur des colonies pour faire les nucléi, hein. Donc on a les besoins en caisse, les besoins en reine, les besoins en nucléi. Vous pouvez à petite échelle, on l'a déjà vu, hein, mais faire élever dans des ruches, prendre la cellule royale et la mettre dans votre caisse. Voilà, moi je sais que si j'ai besoin de ça, en gros, il faut que je sorte 110 reines. Je fais du bruit avec ça à chaque fois. 110 rennes sur 1, 2, 3 mois, en gros, faut que j'ai sorte 30 rennes par mois. On dit ça? Allez, c'est vraiment à la louche. Nucléi, besoin, 30. Ok, il me faudra une éleveuse. Elle va me procurer des cellules royales, hein, pour mettre dans les nucléi. Est-ce qu'une éleveuse est capable de me faire 30 cellules par mois? Moi, je pense que largement, bien sûr. Vous savez, le temps de greffage. Je greffe le jour J, à J+5, la cellule est operculée, je peux mettre un bigoudi de protection. À J+11, je prends le bigoudi et je le mets dans le nucléi. D'accord? Ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça en saison, hein. Je vais le faire. Donc, a priori, avec une, on est bon, hein. Vous pouvez, par sécurité, en prendre deux. Mais si vous mettez deux, enfin, toujours pareil, hein, vous mettez deux éleveuses, ici, vous n'êtes plus à 100, vous êtes à 98. Quelle est la quantité de miel en rouge que vous voulez faire, hein? C'est toujours pareil. Alors, en plus, vous avez la météo que vous gérez pas. Voilà. Et il va nous manquer les mâles. Les mâles, comment on fait? Eh bien, moi, je vous dis ce que je vais faire. Je sélectionne toute une tripotée de ruches qui me plaisent. Elles sont déjà... je sais lesquelles, hein. Et je les mets vers mes nucléi. Et dedans, je leur mets des cadres à mâles à construire, mais beaucoup. Et pour les autres, qui ne servent qu'à faire le miel, entre guillemets, c'est péjoratif, mais... elles auront un cadre à mâle que je vais régulièrement casser pour la lutte anti-varroa, la lutte biomécanique, si vous voulez, hein. Par contre, donc, pour tout ce qui est de la fécondation, ces mâles-là, je vais évidemment les garder. Je vais même en faire plus. Donc, attention aux varrois pour tout ce qui est ruche à mâle, ou qui sont là pour procurer des mâles. Combien il en faut? Écoutez, pour faire 110 rennes, réparties sur 3 mois, pas tant que ça, j'ai pas vraiment de chiffre en tête. Je dirais à la fois pas tant que ça et le maximum. Il faut un maximum de mâles. Donc on peut réserver, je sais pas moi, au moins 10 ruches pour ça, quoi. Au moins 10 ruches pour ça. Ensuite, sur la stratégie, vous pourrez rajouter, donc je vous disais, les transhumances au milieu de tout ça. Et puis, surtout, ce qui va être important par rapport à ça, c'est le calendrier d'élevage. Est-ce que je greffe le dimanche ? Est-ce que je récupère des cellules le dimanche? Est-ce que tout ça, suivant votre activité, suivant vos familles, etc., faut réussir à goupiller tout ça. Sachant qu'on va se baser sur le jour J de greffage, le J+5, si jamais, mais c'est pas obligatoire celui-là, J+11 pour l'intro de cellules, et J plus, allez, en gros 25 pour la vérif. Tout ça prend un mois, on va dire, hein. Ça peut être un peu plus ici, voilà. Donc voilà, je ne veux pas vous saouler plus avec ça, on va le voir en saison avec ma stratégie à moi, comment je fais. Mon calendrier d'élevage, il est pratiquement fait, c'est-à-dire que j'essaie de le caser au milieu de ces trois miellées, et j'essaie de faire en sorte, alors moi je vous explique ma vie, le jeudi aujourd'hui est devenu jour de montage, est devenu mon dimanche en fait, c'est-à-dire c'est le jour où je travaille pas, où je suis devant l'ordi et je fais le montage. Là, il manque cette séquence, je la filme vite fait cet après-midi, je la rajoute au montage pour que vous l'ayez demain. Je peux pas faire ça le vendredi, je peux difficilement anticiper, j'essaie de le faire, mais je vais filmer des bribes de séquences. Mais voilà, donc le jeudi, par exemple, je ne peux ni greffer, ni sortir les cellules, ni faire quoi. Si vous voulez une vidéo, hein, j'entends. Si je zappe la vidéo, mon jeudi est libre. Donc voilà, je fais mon calendrier d'élevage en fonction de terrain et du jeudi. Et tous les autres jours de la semaine, y compris le dimanche, c'est boulot. Pour moi, j'ai pas le choix. C'est des choix, les gens, hein, je me plains pas, attention. C'est voilà. En plus, on se rajoute les matériels avec Mathieu, on se rajoute ci, on se rajoute ça, l'élevage de rennes, etc. Voilà. Il faut qu'on arrive à gérer tout ça. Je vous fais rapidement le tour de la préparation. Ça, c'est la stratégie. La préparation, en gros, c'est quoi? C'est d'avoir besoin des caisses. Pour anticiper les sémages, il faut avoir besoin des ruchettes. Il faut avoir le, comment dire, les ruchettes qui soient prêtes. Il ne faut pas attendre les derniers moments. Pour tout ça, on a besoin des cadres. Il faut qu'ils soient filés, gaufrés. Il faut que ce soit prêt. Il ne faut pas le faire au dernier moment. Pour ça, on a besoin de la mielerie qui soit prête, les hausses qui soient prêtes. Il ne faut pas attendre les derniers moments. Pour les nucléi, exactement la même chose. Les nucléi prêts, les cadrons prêts. Moi, ils ne sont pas construits, je vais m'amuser, etc., etc. Les cadres à mâles. Je vous montre un petit peu, moi, mon matériel, comme il est fait. Il y a aussi un truc important que j'ai oublié. Ici, pour la visite de printemps, je vais vous les montrer. Enfin, bon, il n'y a rien de spectaculaire. On va changer tous les planchers. Si on ne change pas la caisse, au moins, on change le plancher. D'où l'intérêt des plastiques, vous savez, avec les petites accroches sur les côtés. Et ça, sanitairement, ça devient essentiel. Là, toutes les ruches qu'on a ramenées de l'hiver qui s'est mal passé, on va pouvoir donc les désinfecter complètement. Je vous ai déjà fait plusieurs épisodes là-dessus. Vous savez, gratter, brûler, ou javel si vous préférez, ce que vous voulez, mais il faut que ça reparte dans le circuit propre. Assurément propre. Ne mettez pas une colonie dans une ruche dégueulasse. Surtout pas, quoi. Voilà, quoi. Allez, je vous montre vite fait. Bon, moi j'aime bien, c'est n'importe quoi, mais j'aime bien. Allez, je vous montre les cadres et le matos qui est prêt. Alors les cadres, les gens, hop, tac, gaufré, filet, vous le faites le nombre qu'il vous faut, hein, bien sûr. Une petite couleur pour l'année, ça peut être pas mal. Voilà, vous les préparez, après ils sont en carton à banane par 15 je crois. C'est quand même très pratique, ok. Sinon les cadres à mâles, il y a ceux de l'année dernière bien sûr, mais on peut en refaire pas mal. Voilà, il y a tout ça là, on va blinder de cadres à mâles. Si besoin des cadres de hausse pour faire du renouvellement, il en faut également. Là, il y a encore des cadres blancs. Hop, hop. Sinon, il y a quoi? Les partitions. Il faut être prêt avec ça. Soit c'est de l'ancien rénové, enfin désaffecté, soit c'est du neuf. Voilà, moi j'utilise ça pour l'instant, c'est très bien. Avec la petite particularité, donc, hein, elles sont à fleurs d'un côté. À fleur de lys, hein. Et puis il y a un petit espace côté non abeille, côté vide. Si je mets ça côté vide, vous voyez là, elles construisent là, hein. Faut que ce soit à fleur. Ça c'est la cire, il faut que je voie Martin le cirier pour lui amener tout ça. Les caisses qu'on a ramenées des ruches, on les déshabille complètement. Vous vous souvenez, on va gratter tout ça, gratter un maximum. Faut vraiment enlever toute la saloperie et on les passe au feu. D'accord? Les planchers de ces mêmes ruches, les voilà, ils sont en crado. Et même les ruches qui sont en cours, enfin qui sont dans les ruchers, on va les nettoyer. En l'occurrence ici, j'ai mes planchers neufs ou rénovés, enfin nettoyés, passés à la javel ou ce que vous voulez, par le feu, c'est le plastique, pour changer tous les planchers des ruches à la visite de printemps. C'est ultra important. Ouh, les jolies ruches, c'est quoi ça? Alors ça, ce seront pour mettre des fleurs. Oh, c'est beau ça. J'ai la chambre froide qui se met en route. Ça va être pour mettre des fleurs sur la butte dehors là dans un mois. Ça va être chouette. Non mais voilà les gens, on a fait le tour. Rendez-vous la semaine prochaine, un petit truc sur le varroa avec mes comptages et tout ça. Je vous en parle la semaine prochaine, j'allais dire comptez-vous varroa, tout ça. On en parle la semaine prochaine. On verra ce qu'on peut faire. Et vendredi suivant, le 12, nouveau site et vidéo AgriHappy. Et puis, quoi d'autre? Non mais rien, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir, le petit pouce bleu au cas où, mais ça c'est le petit commentaire aussi, c'est le référencement Google, je vous l'ai dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine comment on fait pour s'abonner, je vous le rappelle, en bas de la vidéo, ça doit être par là, ou par là, je sais pas. Vous avez le truc qui cliquez s'abonner avec la petite cloche. Vous cochez les deux, il faut un petit compte Gmail, vous mettez n'importe quoi, l'abeille des ailés, putain, @gmail.com, pour avoir un compte lambda, on s'en fout, mettez pas votre nom, mettez un pseudo, on s'en fout. Et puis, vous n'avez pas besoin de mettre votre adresse, votre téléphone, rien du tout. Hein. Moi, j'en ai un, je vous dis pas comment ça m'appelle, mais j'ai un autre compte Google où je vais mettre des petits commentaires méchants. Non, voilà. Faites-le, vous êtes, oui, plus de 53% à pas être abonné. Donc, ça fait une petite marge, et avec cette petite marge, eh ben, ça me permet de démarcher des agriculteurs pour aller filmer les agri-happy, faire des vidéos agri-happy. Ça me permettrait de démarcher, je sais pas, moi, n'importe qui. Démarcher, c'est pas le mot, mais le ministère de l'Agriculture. Allons-y. Vous voulez que j'aille poser des questions pour vous? J'y vais. Franchement, j'y vais. Voilà. Ou d'aller dans d'autres pays quand la Covid sera terminée. Voilà. Bisous les gens. À bientôt. À la semaine prochaine. Abonnez-vous.